parler du Bocuse d'Or et je voudrais vous parler de Paul qui est juste à côté de moi. Les Bocuse d'Or, c'est les Jeux Olympiques de la gastronomie. Et c'est la force de notre pays. L'image de marque de la France, c'est nos produits agricoles, c'est nos chefs, c'est l'excellence de la gastronomie. Tous les deux ans, il y a un concours qui rassemble les meilleurs au monde et qui s'appelle le Bocuse d'Or. Et nous, on veut que la France gagne. Et donc, notre région a décidé, maintenant depuis plusieurs années, d'à chaque fois accompagner l'équipe qui va porter le drapeau bleu-blanc-rouge. Et l'année prochaine, c'est Paul qui va porter ça. C'est lui qui a gagné les sélections. Il est de Haute-Loire, de chez moi. Et pour moi, c'est une fierté de vous présenter, Paul. Merci beaucoup. Paul, c'est toi qui explique. En effet, on a remporté avec mon équipe, c'est un travail d'équipe avant tout. On a remporté les sélections de France en septembre dernier à Paris. De là, j'ai été désigné candidat et j'ai embarqué mon équipe avec moi. On rentre juste la semaine dernière de Norvège, où on a participé aux sélections européennes. On s'est classé 5e sur 20 pays, donc dans les 10 premiers qui se qualifient pour la finale. Et on sera donc au rendez-vous en janvier 2025 au CIRA pour la grande finale et notre objectif principal, la dernière ligne droite. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer la photo derrière? Parce que je trouve que ça permet de mesurer le niveau d'excellence et de créativité qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, on est à peu près, on doit être à 1h25 d'épreuve à peu près, selon le programme prévu. J'ai un chalumeau qui a pris un coup de froid, je pense, dans le voyage. Il faisait très froid en Norvège. Et en fait, il y avait une fuite de gaz, donc j'arrivais pas du tout à le contrôler. Ça avait une flamme pas possible. Donc, j'étais censé chauffer juste les bords pour enlever ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai dû me rabattre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des Saint-Jacques en mosaïque. Pour l'instant, elles sont alignées toutes droites, mais ensuite, elles étaient à la découpe du coup en mosaïque. Donc j'ai dû réagir à ce moment-là, poser le chalumeau de côté et puis prendre le couteau pour essayer de contrer le problème. Et on espère que Paul gagne et qu'il ramène le Bocuse d'Or en France l'année prochaine. Bon courage, Paul. Merci. Merci à toi encore. Merci. Allez, en avant, on est parti. Super. Merci.